Hey, hey, hey. Bonjour les enfants, vous allez bien? Aïe, 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 quel plaisir de vous retrouver. Alors, vous savez comment je m'appelle? Ah, vous ne savez pas? Mais regardez, c'est écrit sur ma valise. <laughs> vous savez pourquoi c'est écrit sur ma valise? Parce qu'il y a des moments, je ne sais plus comment je m'appelle. Alors, c'est tellement plus simple de regarder ma valise. Oui, alors je m'appelle Auguste. Ouais. Vous pouvez répéter à trois: un, deux, trois, Auguste. Gust, oui Alors maintenant, vous allez le dire très fort Un, deux, trois Oh, Gust, oulala, ça fait du bien Ouh, Vous allez bien, alors Vous savez, si ça ne vous gêne pas, j'aimerais pouvoir retirer mon beau chapeau, comme ça, je vais vous montrer mes longs cheveux soyeux. <laughs> oh, pardon, <laughs> c'est pas grave. Allez, je laisse ici mon petit chapeau, voilà, et je vous ai apporté ma valise magique une valise magique Vous vous rendez compte Une valise magique Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans Oh, vous avez deviné Vous croyez Regardez un petit peu à trois. Un, deux, trois, qu'est-ce qu'il y a Oh Oh, c'est vrai C'est ma valise magique Mais c'est la valise à problème Parce que vous savez, chaque fois que j'ai des soucis, que ça ne va pas bien dans mon cœur, que je m'inquiète... Ou simplement que j'ai des problèmes avec mes voisins ou ces autres voisins-là, eh bien, je mets ici tout dans la valise. Quand ça ne va pas non plus bien fort à la maison ou ailleurs, je mets tout ça dans ma valise. Alors, si toi, tu as aussi des choses qui ne vont pas bien, peut-être à l'école, peut-être à la maison, tu jettes tout ça dans ma valise. Allez, vas-y, jette. Oui, 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 vas-y, encore. Oui, oui. Ah, oh, 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 oh là là Ouf hey, C'est trop lourd, ça Moi, je ne suis pas le bon Dieu. hein. Alors, je vous donne ma solution. Quand j'ai mis mes problèmes là-dedans, j'ouvre ma valise et hop là! Voilà c'est pour toi, Seigneur. Et lui, il s'occupe de tout ce qu'on lui donne. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours le sourire. Vous savez pourquoi Parce que moi, je ne vais pas rechercher mes problèmes quand il lui est donné. <laughs> Alors, il faut faire pareil. Hein. Tout ce que vous avez mis là-dedans, vous le laissez, c'est parti là-haut et il s'en occupe. Eh oui, <laughs> oh allez, je vais déposer ma valise. Et puis si jamais, pendant le spectacle, oui, bah, pardon, le spectacle, je me suis encore trompé, eh bien, vous avez encore des choses qui sont lourdes, eh bien, vous les jetez là dans la valise. Puis vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Alors, je vous ai apporté ce matin quelque chose de très particulier. J'espère que vous allez voir les couleurs. Hein. Vous voyez les couleurs ici Oh là là, il y a du bleu ici. C'est pas du bleu. C'est jaune. Ah. J'ai toujours des problèmes avec les couleurs. Mais enfin là, ça c'est du vert, il y pas... C'est pas du vert non plus. Aïe 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 aïe. Ah c'est le rouge. Alors ça c'est le rouge et ça c'est le jaune. Et si je le change ici, ça ça devient bleu et ah non c'est pas bleu c'est toujours rouge. Brrr, ouais. Alors regardez c'est pas compliqué il y a deux barres on met ici une cordelette à travers elle est rouge oui je sais merci et puis et puis ici on prend la oui c'est ça oui la jaune oui merci et, 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 et voilà mais alors regardez ce qui va se passer oh, regardez ça oh là, là 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 mais comment ça se fait mais qu'est-ce que c'est que ça parce que quand je tire ici c'est bien du rouge qui apparaît et là c'est du jaune. Mais qu'est-ce que c'est que ça que c'est Mais qu'est-ce que ça que ça, que c'est Mais c'est vraiment, 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 vraiment spécial. Hein? Oh, vous vous rendez compte un petit peu Ça, c'est des engins qui font réfléchir. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que ce n'est pas normal. Au contraire, il y a des trucs comme ça, et je vous en montrerai plusieurs tout à l'heure. Au revoir les enfants. <laughs> Et bonjour! Mais oui, c'est moi, Auguste! <laughs> oh, Excusez-moi de vous déranger avec mon klaxon, mais j'aime bien faire du bruit! <laughs> Alors, vous allez bien? Moi, en tout cas, c'est la forme! Hein. Et vous savez pourquoi? Hein Il y a toujours la valise! Eh oui! Quand ça va pas, dans la valise! Alors, je vais vous montrer un tour très particulier! Mais je crois qu'il faut que je retire mon, mon chapeau, comme ça vous verrez mon joli visage. <laughs> voilà, le chapeau mis de côté. Et puis, je vous ai apporté ici une corde un petit peu spéciale. Oh, qu -ce que monsieur, qui c'est qui a touché à ça avant Oh là là Alors, vous voyez, ce n'est pas compliqué. On prend ici une cordelette et puis un foulard. Alors, je vais retirer le foulard, parce que je ne sais pas ce qu'il fait ici. Et puis, on met ici le foulard sur la table la corde ici, comme ça, sur la main d'Auguste. On prend le foulard et on le glisse à l'intérieur comme ceci. Alors j'espère que ça va fonctionner. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez Regardez un petit peu comme c'est. Alors on va fermer le nœud bien comme il faut. Et puis là, le nœud, le foulard ne peut plus s'échapper. Alors on va essayer de faire quelque chose de très particulier. Vous allez voir. Vous connaissez le mot magique, <laughs> le fameux mot magique que je vous avais déjà appris, mais peut-être vous l'avez oublié. Le mot magique, c'est comme quand ça chatouille dans le nez, on a envie d'éternuer, et on fait <laughs> Voilà, comme ça. Et quand vous dites affu, ah, il y a des choses spéciales qui se passent. <laughs> enfin, on va voir. Alors, on y va, les enfants. Vous êtes prêts Alors, à trois, on dit affût ah, ». Un, deux, trois, affu. Et voilà. Et voilà. Alors le nœud qui ne pouvait pas bouger, ben matin il peut bouger. Il n'y a plus de problème. Je ne sais pas comment vous avez fait ça, mais vous êtes absolument extraordinaire. <laughs> Et oui, regardez. Et le nœud il se défait tout seul. Alors là, vous avez le droit d'applaudir Auguste si vous voulez. <laughs> Merci beaucoup. Alors, voyons voir. Oh, mais je vous ai apporté un petit problème de géométrie. <laughs> vous voyez ce que ça, que ça, que ça est Pardon Ah, vous pensez que c'est un... Un rond Oui, c'est un cercle, c'est vrai. Alors, c'est un beau cercle. Oui, le poids, tout mais enfin, c'est du métal, alors ça vaut ce que ça vaut. Et maintenant, on va essayer de transformer ça comment, en carré. Eh, mais ça va pas la tête. Eh, moi, je, je suis juste clown, hein, je sais pas faire des... En carré, vous voulez essayer Mais comment on va faire ça eh? Oh là, là Alors, vous allez essayer, vous connaissez le mot magique, alors on y va à trois. Un, deux, trois, fût Comment vous avez fait ça Et mon rond, alors, il est où maintenant Comment je vais faire, moi oh, C'est formidable, hein? il y a des trucs comme ça. Oh, moi, ça m'étonne, hein? c'est surprenant. <laughs> Allez, c'est génial. Hop, on range, et puis, je vais chercher. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup. <laughs> oui, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ce sont des crayons de couleur. Vous connaissez les couleurs hein? Alors ici il y a du bleu. Enfin je ne veux pas dire les couleurs, parce que je me trompe tout le temps. Mais enfin c'est pas grave. Il y a aussi du rouge et du jaune, mais je ne vous le montre pas. Et puis je vous ai apporté mon petit livre un petit peu particulier. C'est un livre. Alors il faut un peu que vous un tout petit peu. On est dans la grande forêt. On est là où il y a des animaux sauvages. Et puis tout d'un coup qu'est-ce qu'on voit Regardez ce qu'on voit. Que ce... ils sont partis où il y avait des animaux tout à l'heure ici dedans. Mais où est-ce qu'ils sont Mais on recommence. En effet, ils ne sont plus là. Bon, alors il faut venir m'aider, les enfants. Là, ça va pas, ça. Hein? Alors on y va à trois, vous allez souffler et vous dites le mot magique. Pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Le nez, le... Ah, le nom, le nez, le nom. Le nom, le mot magique. C'est ah 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 ah, Ah Oh regardez, on les voit, mais qu'est-ce que ça Qu'est-ce que c'est Ouh Des oiseaux, un caméléon, un, un, un singe ici, un éléphant, ouh là là, un ourson. Et c'est en quelle couleur Tu as dit que c'était en couleur En noir et blanc. Alors, vous allez mettre les couleurs, d'accord Vous allez choisir ici les couleurs qui sont là. Je vais les mettre dans le. En compte à trois. Vous, vous choisissez une couleur le jaune, le bleu, le vert, on y va Un, deux, trois, allez ça a disparu, les couleurs, elles sont maintenant à l'intérieur. Enfin, j'espère. On va regarder. Oh oui, regardez, regardez ce qui se passe. Mais c'est génial. Regardez-moi ça. C'est un livre magique. <laughs> Comment vous avez fait ça On appelle les couleurs et les couleurs arrivent et ça arrangerait certains à l'école, hein, qui ne sont pas très rapides quand ils doivent colorier des belles images. Regardez-moi ce que c'est beau. Alors, on applaudit très fort Auguste et je vous salue bien. Au revoir, les enfants, et à tout bientôt. Au revoir. Hé! Hey, bonjour, les enfants! <laughs> Quel plaisir de vous retrouver. Mais oui, vous me reconnaissez, c'est moi, c'est Auguste. Comment vous allez Vous allez bien Moi, en tout cas, je suis en pleine forme. Et je vous ai apporté un tube très spécial. Regardez, là, il y a des couleurs. Il y a du... Du bleu, non, ça c'est du vert, c'est vrai, pardon. Et puis ça c'est, oui, exactement, du rouge, tu as raison. Et ça, oui, du jaune. Oh, vous êtes fort pour les couleurs. Et puis là, j'ai un tube, vous voyez, vous voyez à travers, vous me voyez, moi je vous vois. <laughs> alors, on va mettre un petit peu de jaune comme ceci, mais c'est un petit peu compliqué, alors il faut souffler à l'intérieur pour essayer de faire passer le foulard de l'autre côté. Oh là là. Voilà, comme ça, voilà. Oh, on voit bien, hein, c'est joli. Oh. Couleurs. Alors, on va mettre le bleu. Non, oui, pardon, le rouge. Oui, je sais que j'ai des problèmes avec les couleurs. Heureusement que vous êtes patient et patiente. Hein. Voilà. Alors, j'ai mis le rouge ici, à l'intérieur. Voilà, on le met comme il faut. Et puis, on prépare le jaune de l'autre côté. Et puis, on met le... Oui, le vert, merci. Alors, vous êtes charmant. Alors, on va mettre ici le vert comme ça. Et puis, on va essayer de le mettre à l'intérieur parce que c'est important qu'il soit bien à l'intérieur. Et voilà. Alors, nous avons le rouge. Le jaune et le vert. On y va à trois. On nous e soufflait. J'ai un petit peu la trouille, moi. On y va. Mais peut-être, il faudrait peut-être dire le mot magique. C'est le mot, ah Voilà, c'est ça. Vous savez quand ça chatouille dans le nez? On y va à trois. Un, deux, trois. Rafu! Oh, oh, oh là là! Oh là là! Regardez ça, c'est extraordinaire. Comment vous avez fait ça? Ils sont tous attachés l'un à l'autre, c'est extraordinaire. Oh là là, il y a le, le vert, le jaune et le rouge. Oh, moi ben je trouve ça vraiment fantastique. Il suffit des fois de regarder certaines choses et on est parfois tout étonné, hein Vous croyez pas <laughs> Alors, je vous ai apporté. Qu'est-ce que ça peut bien être Une espèce de boule rouge comme ça Ça pourrait être pourquoi faire ça vous avez déjà joué avec une balle rouge comme ça? Mais ça, c'est une balle très spéciale. C'est une balle, une balle magique. Et vous, vous allez souffler dans la balle magique. Ah, si vous pouviez avoir une balle comme ça, ça serait marrant. Hein? Tu voudrais une balle comme ça, toi aussi. Hein? Ah, tu pourrais la mettre sur le nez comme ça? <laughs> tu ferais clown. Hein? <laughs> regarde voir cette balle. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Alors, on regarde, on la tourne dans tous les sens. Et puis parfois, il y a des surprises. Tu voulais une surprise? Oh, regardez la surprise. On met ici le doigt dans la balle et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 Alors, attention, attention les enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça a grandi? Mais c'est énorme? Mais c'est quoi ça? Oh, regarde voir ça! Une petite surprise, c'est quelqu'un qui te dit Coucou, moi je t'aime très fort, coucou, eh oui. C'est génial, moi j'aime beaucoup ça. Voilà, on applaudit Auguste. Merci. Ah là 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 là. Oh oui. Alors, voyons voir. Je vous ai apporté ma petite cordelette. Alors, on fait hop, hop, hop. Et regardez un petit peu ce qui se passe. On met un anneau ici, tac. On met un autre anneau ici. Et toc! Et puis, vous soufflez à trois. Un, deux, trois, un fût. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez voir ça. C'est génial. Les deux anneaux se sont pris dans la corde. Moi, je trouve ça fabuleux. Alors, on applaudit Auguste. Merci beaucoup. Oh là là, oh là là, oh pour... oh, oh là, oh là là, oh là là, là 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 là. Je vais essayer de faire de l'équilibrisme, ouais. <laughs> Et bonjour les enfants, ça va? Oui, je vais essayer, vous allez voir, c'est votre grand clown August qui va essayer de faire un tour spécial. Alors attention, on y va. Je garde comme ça, mais surtout, vous soufflez pas. hein Pas de mots magiques, rien du tout, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va pas marcher. Alors on y va, à trois. Un, deux, trois. Ah, non, non c'est pas possible mais là vous avez soufflé hein je vous ai vu aïe 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 aïe, aïe. on va essayer de ce côté maintenant vous soufflez pas s'il vous plaît les enfants hein. allez on y va attention à trois un deux trois pourquoi vous avez soufflé oh, vous êtes terrible avec votre Auguste oh là 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 alors bon je vais réessayer mais alors là on va faire quelque chose vous pouvez vous lever et vous allez souffler, mais touche tous ensemble. Vous allez voir, parce que c'est moi qui vais vous attraper cette fois-ci. Vous allez voir, je suis le plus fort. Allez, soufflez, 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 soufflez. <laughs> je vous ai eu. Oh là 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 là. <laughs> oui, je sais. Ah, on s'est bien amusé là. Alors, je vous ai apporté mon cornet spécial, un petit sac un peu particulier. Ça vous gêne si je retire mon chapeau <laughs> Comme ça, vous allez voir mes longs cheveux. <laughs> voilà. Alors, je pose le chapeau ici, comme ceci. Et puis, je vais sortir ici ma corde. Et alors, je vais demander à quatre enfants de choisir une couleur. Alors, qui c'est qui veut choisir celle-là C'est toi, ma petite Tu veux ceci, alors Tu es sûr Alors, je la mets ici. Dans le, le panier, enfin dans le panier, non, c'est pas un panier, Auguste, c'est pas un panier, c'est un, un sac en papier. Voilà. Alors, j'ai mis ici la petite pince à linge jaune, oui. Et puis, on va mettre la pince à linge blanche. Ah, c'est toi, mon grand Toi, tu as choisi celle-là. Tu es sûr Non, je mets la bleue si tu veux. Hein. Ok. Alors, on va la mettre ici, comme ça, ici dedans. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qui se passe Oh là 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 là, elle a un petit peu de peine hein? Ah voilà, elle a été, elle a été rencontrée là. La, la pince à la jaune, oui. Et puis, et puis, et puis, qui c'est qui va prendre la verte alors Toi, tu veux la verte Ok. Alors, je mets la verte aussi là-dedans, hein. Voilà. Et puis, et puis, il n'y en reste y plus, hein. Ah, il reste la bleue. <laughs> et qui c'est qui veut la bleue C'est toi qui veux la bleue ou c'est toi C'est toi il faut savoir ce que vous voulez. Ah, tu la veux, alors, ok. Tu prends la bleue, c'est très bien. Je la mets ici. Et puis maintenant, on va faire quelque chose de très particulier. On va aller chercher euh, les quatre amis qui sont là. Alors, vous savez, j'ai un ami qui m'a dit, oh, il y a un mot en français qui est compliqué. <laughs> Moi, des fois, j'aime bien les mots un peu compliqués. Ça s'appelle la miséricorde. Miséricorde. Oui, ben c'est Dieu qui nous aime et puis qui veut, nous, qui veut faire quelque chose pour nous. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, oui, c'est la corde qui est plongée dans la misère, comme ça. Oh, c'est joli. Alors, si ces quatre enfants, ils étaient dans la difficulté, eh ben c'est le Seigneur qui viendrait les chercher. Mais comment il va faire pour les sortir de là Comment il fait Moi, je ne sais pas, mais on va regarder ce qui se passe. Mais là, j'ai besoin de votre aide. Alors là, pas besoin de mots magiques, il suffit simplement de souffler. Un, deux, trois. Voilà! Oh, mais regardez ça! Mais c'est formidable! Comment? Mais c'est génial! Alors, vous voyez, c'est une jolie petite leçon. Oui, quand on est dans la difficulté, on peut dire Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider. Et lui, il aime bien venir nous aider. Et il aime quand on dépend de lui. Et comme ça, il nous fait miséricorde. Oui, il nous montre son cœur et il vient nous chercher dans la difficulté. Alors, vous vous souviendrez de ma corde et puis des pinces à linge. Hein. C'est un petit peu spécial. On range tout ça. Voilà, voilà, voilà. Et puis, je vous dis au revoir les enfants. Bye-bye. Oh là 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 là, il y a des choses que je sais pas faire moi. Hein. Oh là là, oh, des fois je suis triste parce que j'y arrive pas. Oh excusez-moi de vous déranger les enfants, mais ça j'ai gros sur le cœur. Oh il y a des choses j'y arrive pas, j'arrive arrive pas, j'y arrive pas. Oh votre Auguste, des fois il est tout triste. Hein. Oh là là, vous allez bien vous Oui, moi ça va pas très fort. Heureusement, heureusement que j'ai ici mes tableaux. Hein vous savez, j'ai écrit ici sur mes tableaux. Enfin, sur mon tableau ici. C'est un tableau noir, oui. <laughs> c'est des vieux tableaux. Je ne sais pas si vous utilisez ça encore. Mais c'est des tableaux, on écrit avec une craie. Oui, blanche. Sur le noir. J'aime bien. <laughs> Alors moi, j'ai mis ceci. Pour nous, c'est impossible. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas faire. Toi, tu penses à ça. Oui, tu as raison. Ça, c'est difficile. Et toi, oh oui. <laughs> Eh, oh, oh oui, je comprends. Ah, ça, si, ça, c'est pas trop compliqué. Mais, mais c'est vrai que pour certains, c'est difficile. Ah, oh, ouais, alors ça, ça je suis d'accord avec toi. Pis, là, pour cette histoire, moi, j'y arrivais vraiment pas. Il hein. y a des trucs comme ça, j'y arrive pas. Mais je me souviens, quand j'étais petite, j'étais à l'école, c'était difficile. Ah oh, là là, les calculs, j'y comprenais rien. Alors, pour moi, pour nous, c'était impossible. Oh, pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des enfants, ils adorent les calculs. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire alors, on va comme ceci. On va mettre les deux tableaux l'un sur l'autre. Et puis, vous allez souffler très fort. À trois, on retourne les tableaux comme ceci. Et vous soufflez. Un, deux, trois. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe Oh Ça a disparu. Et là, il y a la solution à notre problème. Regardez bien. À Dieu, tout est possible. À nous, il y a un tas de choses qu'on ne peut pas faire. Mais lui. Il fait un tas de choses extraordinaires. Et ce que nous, nous ne pouvons pas faire, lui, il est capable de le faire. Alors, quand tu penses à tout ce qui n'est pas possible dans ta petite tête, à toi, tu regardes un peu plus haut que ton nombril et puis tu dis Dieu, avec toi, tout est possible, alors je te demande un coup de main. Et vous allez voir, vous allez être surpris. Mais oui, merci d'applaudir votre Auguste. Ouais <laughs> Oh, j'aime bien ce tour-là. Aïe, 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 mais il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas très bien. Et je vous ai apporté ici une plaque dorée et une plaque noire. <laughs> Quelle est la plus grande Ah, vous pensez que c'est la noire C'est la noire Ok, alors une petite passe magique, on le passe de l'autre côté, et maintenant c'est lequel le plus grand Le noir ou le doré <laughs> Comment ça se fait alors maintenant, on rechange et on met le doré de l'autre côté. Et qui c'est qui vient de plus grand C'est le noir. Eh oui Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que c'est possible Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose, les enfants. Nous avons un problème avec nos yeux. Eh oui Des fois, on croit voir certaines choses et puis on ne voit pas bien. Où on a cru voir quelque chose et ce pas correct. Eh bien, ici, c'est un petit peu ce qui se passe. Ici, eh bien, on voit le noir très grand, mais quand on le passe de l'autre côté, c'est le doré qui devient très grand. Et je vais vous montrer la grande surprise c'est quand on prend le doré et le noir et qu'on les met l'un sur l'autre, qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit qu'ils ont exactement la même taille. C'est curieux quand même, hein mais regardez, ils ont la même taille, on peut les mettre l'un sur l'autre sans problème, mais quand on les met l'un à côté de l'autre, oh, le doré est énorme à côté du noir, mais non, regarde, c'est le noir qui est énorme à côté du doré. <laughs> Moi j'aime bien cette illusion-là. Alors, quand tu regardes les choses, peut-être que tu ne vois pas très bien, peut-être que tu as mal compris, et ça vaut la peine de demander à ceux qui sont autour de toi si c'est juste ce que tu as vu ou si par hasard tu t'es trompé. Parce que parfois on est victime d'une illusion. Et voilà. Les enfants, je vous salue bien. C'était votre Auguste. Arrêtez! Ah, 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 ouh! elle ben me chatouille! Ah. Euh, ouh! ouh, ouh <laughs> Arrêtez Ah vous me chatouillez Vous savez ce qu'il y a dans la boîte Arrêtez Ça chatouille oh là là là. Vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur Oh là, là là Oh regardez, ce sont mes trois petites coquines Les coquines et les copines, ce sont mes trois petites souris de l'eau. Ah ça chatouille Oh là 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 Oh je crois que je vais les ranger, sinon je vais rien pouvoir vous raconter. Oh là 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 Oh, oh là 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 quelle blague, dis donc. <laughs> oh, moi, j'aime bien les boîtes. Alors, je vous ai apporté des boîtes ici. Je vous ai apporté une boîte. Alors, je ne vous dis pas les couleurs parce que je me trompe tout le temps. Mais vous, vous avez le droit de dire la couleur. Alors, je retire le couvercle de ma boîte et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, Qu'est-ce que c'est C'est tout rouge, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va déposer ici la boîte. Et puis, on va ouvrir la deuxième boîte qui était... Voilà, vous avez raison. Alors je la pose ici. Ah, oh, il y a Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, mais qu'est-ce que c'est beau comme couleur, dis donc. Oh, et ça, quelle couleur? Tu crois? Ok. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, surprise? Oh! Quelque chose de bleu. Oui, tu as raison. Alors on va regarder ce qui est là. Qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Oh, mais qu'est-ce qui. Oh! mais c'est joli, ça c'est un peu plus clair. hein. Oh Et qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur Alors vous savez, dans la vie des fois, il faut comme ça persévérer. hein. Persévérer, ça veut dire continuer, continuer. Il faut pas s'arrêter. Vous savez, moi j'ai voulu apprendre la clarinette, vous savez, ce truc qui souffle à pied, on met des... et c'est terrible à jouer, que j'ai eu que... Toi tu sais jouer Et toi aussi Oh, me ben, sait bien, moi je ne sais pas bien jouer. Enfin j'ai essayé, mais c'est une catastrophe parce que c'est ce que m'ont dit les voisins. Alors, je n'ai pas persévéré, mais si on persévère, des fois, on trouve oh! encore une surprise, encore une surprise, mais ce n'est pas possible ça, mais encore une surprise, oh! mais regardez-moi ça, et il y en a encore une ici, mais ce n'est pas vrai, mais, 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 mais oh! Oh! regardez voir ça, ça vaut la peine de persévérer, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur Oh là 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 là, et on regarde encore, oh, mais c'est pas vrai. Il y a encore une à l'intérieur mais c'est regardez-moi ça bien. Mais mais on va aller où avec ça Oh là 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 Il y en a déjà combien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mais alors mais qu'est-ce qu'on va s'arrêter Alors on continue, qu'est-ce qu'il y a là Oh, encore une Mais c'est pas possible. Mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce que ça que c'est que ça que c'est oh. « Oh, mais il y en a encore une ici, mais, mais on ne va pas s'arrêter. Mais, 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 mais. Oh, 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 oh. Alors, on en a combien On compte ensemble. 1, 2, 13, 14. Oh, pardon, je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ça, c'est le numéro 12. Oh, il y a un papier à l'intérieur. » Je vais regarder ce qu'il y a sur ce papier. Qu'est-ce qui peut bien être écrit Vous savez, il y a là un trésor. Regardez ce que c'est marqué. Je t'aime à la folie, signé Jésus. Mais c'est formidable ça Je t'aime à la folie Oh, moi je... Je, je, je suis tout content là, mais c'est formidable et ça vaut la peine de persévérer. Vous avez vu ce qu'on a trouvé comme trésor oh, Alors il y en avait combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et le trésor il est là. Je t'aime à la folie, signé Jésus. Oh, ça c'est un billet qu'il faut garder dans son cœur. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire et puis vous le mettez dans votre portefeuille ou votre porte-monnaie. Comme ça, quand vous êtes découragé, vous regardez et c'est marqué. Je t'aime à la folie, Jésus formidable. Oh là 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 là, vous savez que j'ai eu un sérieux problème, hein Ouais ouais. En fait, vous savez que j'ai oublié de vous dire bonjour, excusez-moi. Mais je suis tellement préoccupé par tout ce qui m'arrive. Oui, en fait, on a eu un gros problème. Ça fait des jours et des jours et des jours et des jours et des jours qu'on a perdu la clé de la cave. Vous savez ce que c'est que la cave C'est en dessous et c'est là où je mets tout ce que j'utilise pas dans la cave. Aïe 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 aïe. Heureusement, on a trouvé. La clé de la cave. <laughs> Alors, les surprises, quand on a tourné la clé et qu'on est allé voir à l'intérieur, eh ben il y avait des choses que j'avais oubliées, entre autres des pommes. Eh ouais <laughs> j'ai oublié les pommes. Tu devines un petit peu ce qui s'est passé, hein Aïe, 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 elles étaient pourries, c'était terrible. Mais enfin, je me suis amusé avec cette clé et puis j'ai essayé un nouveau tour. Alors, vous allez voir, c'est génial. Si vous avez une grande clé, vous aussi, vous allez pouvoir vous amuser. Ce n'est pas compliqué. Il faut mettre la main comme ceci et puis mettre le, le bout de la clé ici, là où il y a le pouce. Hein. Moi, je ne sais pas les mots techniques, mais vous voyez là, ici, où ça fait un rebondissement comme ça, là où il y a le pouce. On pose ici le bout de la clé et puis la clé, elle doit pouvoir tourner. Vous voyez comme ça, elle doit pouvoir tourner. Alors, on met la main comme ceci, bien en équilibre avec la clé dessus. Et puis, il faut essayer avec les yeux, pousser ici pour que la clé elle, puisse tourner, mais sans bouger la main. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. On va voir ce que ça donne. Voilà, regardez voir ça. Alors on appuie tout doucement avec les yeux et la clé, elle tourne toute seule. Hop là. On réessaye encore une fois. Et il ne faut pas bouger la main du tout. Alors si tu trembles un peu, il ben, faut attendre un petit peu. Alors on y va, on essaye, on va voir si ça marche. Et voilà, <laughs> c'est formidable. Alors, si vous prenez la grande clé de la cave et que vous jouez comme on a joué maintenant, n'oubliez surtout pas... De remettre la clé à sa place, sinon vous allez être grondé. Hein. Hum, hum. On applaudit Auguste, merci beaucoup. <laughs> voilà, alors je vous ai apporté. Ah là, là 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 là, ces bâtons, ce sont des bâtons. Certains disent que ce sont des bâtons chinois, d'autres des bâtons japonais. Alors, on va voir, peu importe pour nous, ce sont des bâtons magiques. Ah <laughs> eh, là 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 là, là. Alors, comment ça fonctionne déjà On met ceci ici en bas. Et puis qu'est-ce qu'on fait Ah, il faut tirer de l'autre côté, d'accord. Alors on tire... Attends, mais comment ça se fait ça Alors si je veux mettre les deux en bas, comment je fais Je mets celui-là comme ça et je... Mais... Attends, là, il y a un problème là. Attendez, je le remets comme ceci, comme ça, ici, je le mets là et... Mais attends, tu veux rester là, s'il te plaît hein? Oui, comme ça. Mais c'est pas possible Ah Mais c'est pas vrai Ah mais regarde ça Mais ça recommence Oh mais, mais c'est malade et vous êtes cinglés, quoi Attends, tu penses qu'il y a quelque chose ici au bout, là Non, tu vois, ce n'est pas attaché. Ce n'est pas attaché l'un à l'autre. Je vais même essayer de faire comme ça. Je vais essayer de le faire tout seul. On va voir. Uh -huh. On va essayer là. Hop. 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 C'est génial ça! Oh oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ah là, là 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 là! Alors là, c'est encore des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais ce n'est pas grave. On s'amuse bien parce que regardez un tout petit peu comment ça fonctionne. Oh, on va ranger tout ça. Allez. Et puis je vais vous apporter mon... ma boîte magique. Vous voyez, il y a un trou, ce n'est pas de problème. Et on regarde. Hop, on va ici. Et regardez, extraordinaire, je sors. Une banane. Vous croyez que ce n'est pas de la magie, ça Ah bon Attendez, je la remets dans la poche alors. Allez, on y va à trois. Regardez. Un, deux, trois. Hop Ah oui, tu crois que je vais les chercher dans la poche Mais peut-être que tu as pas tort. Regardez. Hop là. Oh, Je vous ai eu. Hein. Non, mais c'était pour rire. Allez, au revoir, les enfants. Surprise, surprise! <laughs> J'ai envie de vous faire des surprises aujourd'hui. Bonjour tout le monde, vous allez bien. Et vous vous souvenez comment je m'appelle Oui, exactement. Auguste qui vous salue bien. <laughs> J'ai déposé mon beau chapeau, voilà, comme ça. Et puis, je vous ai apporté quelque chose de très particulier. Voilà, ce sont des anneaux. Et sont quelles couleurs Rouge et jaune, oui. Est-ce qu'ils sont pareils Oui, c'est pareil, c'est très bien. Alors, on va essayer de faire le fameux tour, comme on a dit tout à l'heure. Alors, je les prends dans la main comme ceci, et puis on va voir ce qui va se passer. Oh, regardez Oh, oh. mais dis-donc, mais qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que c'est que ça que c'est Oh, oh regardez-moi ça Regardez ça comme ça fonctionne Mais c'est bizarre ça Oh là là, mais qu'est-ce que c'est Mais regardez ça, mais... Mais 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 oh mais 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 comment ça se fait mais tout à l'heure les fleurs les les, les les couleurs étaient séparées alors on va voir si on peut les remettre en place ces couleurs hop voilà et voilà pour une et voilà pour l'autre et voilà c'est pas génial moi j'adore ces trucs là Merci d'applaudir l'artiste. Ouais. <laughs> aïe, 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 aïe. Alors, je me suis dit l'autre jour, j'ai apporté ici mon sac, il n'y a rien dedans, bien sûr, et je me suis dit, tiens, ça serait formidable si je pouvais aller dans la forêt pour avoir un grand bâton. Ou un bâton comme ça, hein, on ne va pas faire trop. Et puis, en fait, je suis allé ici et j'ai vu que j'avais quelque chose ici. De particulier. Tiens, 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 tiens. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire, ça Qu'est-ce que c'est que ça Ah, il y a un élastique. Bizarre, ça qu'il y a un élastique dans mon truc, là. Ah oui, il y a un élastique. Et puis alors, regardez ce qui s'est passé. C'est que, ici, j'ai caché mon bâton. Mais oui, il y a un bâton, regardez. Regardez le bâton. Mais oui, 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 il est beau. Oh là là, 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 là. Ouh, mais il est trop grand. Mais c'est pas possible. Mais comment ça se fait, ça Oh là là ça, c'est un grand bâton. Moi, je voulais juste un, un petit bâton pour aller me promener, mais regardez, j'arrive juste... Oh, voilà. oh là là, là là, il est plus grand que moi. Hein. Mais comment ça se fait, ça Il y a des choses qui sont vraiment, vraiment extraordinaires. Hein. Oh là là, là 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 Oh, c'est étonnant. On va aller ranger mon grand bâton, si ça vous gêne pas. Voilà, 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 voilà. Oh, eh bien, dis donc, c'est surprenant. Mais comment ça se fait Oh là là. Oh, et puis ici, je vous amène mes fleurs. J'espère que vous aimez bien les fleurs. Ça, ce sont des fleurs spéciales. Vous avez vu, elles ont des sourires, comme moi. Oui, mais elles ont des sourires, mais il y en a une qui est contente et une qui n'est pas contente. Celle-là, elle est très souple, vous voyez. Elle est très souple. Elle est cool. Elle est contente avec tous ses copains, ses copines. Celle-là, elle est, est dure. Oh, elle est dure. Pourquoi elle est si dure? Aïe, 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 qu'est-ce qu'elle est dure Elle essaie de se pencher, mais il n'y arrive pas. Celle-là, elle n'a pas de problème, vous voyez Celle-là, elle y arrive... Oh Ça casse à l'intérieur Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi c'est si dur Oh là là, mais il y a quelque chose, là Ah oui, en effet Oh, vous avez vu ce qu'il y avait Il y avait ça dans son dos. Ça, ça fait mal, dis donc oh Qu'est-ce que c'est que ça Oh, c'est une image, bien sûr. Mais vous voyez, celle-ci, elle était toute contente, toute joyeuse, toute souple. Et celle-là, elle était toute malheureuse, toute coissée comme ça, toute raide. Oui, parce qu'en fait, eh bien, il y avait quelqu'un qui lui avait fait mal. Il lui avait mis ça dans le dos. C'est pas gentil ça. Puis vous voyez, elle était toute cassée à l'intérieur. Et des fois, c'est un petit peu ce qui nous arrive à nous. Il y a des gens qui sont à côté de nous, qui sont tout contents, tout joyeux, puis nous on est tout raide, tout coincé, parce qu'on nous a fait mal, on nous a fait très mal. Mais vous avez vu ce que j'ai fait J'ai retiré ce qui faisait mal, et ça n'est pas moi qui peux faire ça chez vous, mais c'est Dieu qui peut venir et retirer ce qui ne va pas chez vous, de façon que vous aussi, vous puissiez être heureux et souple comme les autres. Alors merci Dieu. Aïe 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 aïe. Aïe 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 com aïe. Comment comment vous vous connaissez ce tour là il y, a, il y a donc trois cordes. Oh pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire bonjour. Je, je, je suis dans mes cordes là depuis un moment, je Donc là, j'ai une corde oui, jaune, c'est ça, et puis une bleue et voilà, c'est ça. Alors, je je je, je, je me demande Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, ça? Oui, alors on va mettre ici la bleue, on va l'attacher ensemble, d'accord? Alors j'attache la bleue ensemble, comme ceci, les deux bleus ensemble, les deux bouts bleus, donc ça va faire. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis, alors j'ai une une, une, un anneau euh, bleu. Je vais maintenant... Attends, c'est pas bien attaché, mon histoire. Oh, j'ai de la peine. Vous savez faire des nœuds, vous Parce que moi, j'ai vraiment de la peine avec les nœuds. Oh là là. Alors, je vais prendre le bout rouge ici et puis je vais attacher l'autre bout rouge dessus comme ceci. Voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne Voyons voir. Voilà. Et puis, je prends le bout jaune ici, comme ça, et je vais l'attacher sur le bout jaune. Donc... Si vous êtes très fort en calcul si je mets j'attache le rouge avec le rouge que j'attache le bleu avec le bleu et le jaune avec le jaune qu'est ce qui va se passer eh ben j'ai une boucle deux boucles et trois boucles alors ça me fait penser à quelque chose oh là c'est vraiment un casse tête et je sais que ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens mais moi je pense que eh ben euh, celui qui est au ciel, c'est Dieu le Père. Et puis, dans la Bible, il nous est dit que Dieu, il est venu sur la terre. Et ça, c'est Jésus. Alors, c'est le rouge. Et puis, quand Jésus est remonté au ciel, eh bien, oh, il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est aussi Dieu. Alors, pour nous, des fois, c'est un peu casse-tête. Qui c'est qui est Dieu C'est le Père, le Fils ou le Saint-Esprit On se demande des fois. Et pourtant, dans la Bible, on se rend compte que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ben, c'est quoi C'est qu'une seule personne, c'est trois personnes, mais c'est un seul Dieu. On a de la peine à comprendre. C'est comme ben, Auguste, par exemple, il est marié. Il est marié, alors lui, il a, il a une femme, il est marié, il est mari. Et puis, il a des enfants, alors il est papa. Et puis, en même temps, ben, il a eu des parents et il était enfant. Alors, je suis un enfant, je suis un, un mari. Ou je suis un, un papa, ben, je suis tous les trois en même temps. Ben, Dieu, c'est un peu pareil. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et alors, on les voit les trois ensemble, on voit bien qu'ils sont bien distincts, et pourtant, quand on. Avant, ah, bon, vous allez souffler, s'il vous plaît, parce que là, il faut m'aider. Euh, voilà, vous avez soufflé, et on jette ça en l'air. Et qu'est-ce qu'il y a oh, Regardez voir ça. C'est pas formidable. On a bien trois personnes, et pourtant, un seul Dieu. C'est un casse-tête, mais je trouve ça génial. Vous savez, c'est un petit peu comme le soleil qui brille là-haut dans le ciel. C'est comme si c'était lui qui, qui représentait le Père. Et puis les rayons du soleil, c'est Jésus. Et puis la chaleur qu'on ressent, c'est le Saint-Esprit, mais pourtant c'est toujours le même soleil. C'est un petit peu comme l'eau, vous savez. Prenez de l'eau, vous la mettez dans le frigidaire, elle devient dans le congélateur, elle devient de la glace. Et puis si vous la faites bouillir, elle devient de la vapeur. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire mais c'est toujours de l'eau. L'eau, elle est dure, c'est de la glace, elle eh ben, est liquide, c'est toujours de l'eau. Et puis quand elle est vapeur, c'est toujours de l'eau. Si on l'analyse, c'est toujours la même chose. C'est vrai que c'est un peu un casse-tête, hein, mais moi, je trouve ça génial de voir que nous n'avons qu'un seul Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Moi, je trouve ça génial et ça rassure mon cœur de pouvoir comprendre un petit peu ce que c'est que tout cela. Alors, vous vous souviendrez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu. Comment ça marche C'est pas vrai. Alors, vous avez vu ma ficelle Mais oui, c'est moi, Auguste. Vous savez, vous savez très bien comment je m'appelle. Et si vous oubliez, vous avez qu'à regarder ma valise. Vous souvenez de la valise Quand on a des problèmes, on les met dans la valise. Après, j'ouvre la valise et je donne tout ça là-haut au Seigneur. Mais là, j'ai un truc, je ne sais pas comment ça fonctionne. On m'a dit, si tu tiens très très bien ta corde comme ça, elle va rester toute raide dans tes mains. Mais ça ne marche pas. Je ne comprends pas ça, moi. Attends, attends, je vais essayer. Mais. Ah là 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 là, là. Alors, vous allez souffler parce qu'il y a un problème avec la corde ici. Hein. Vous allez souffler très très fort, d'accord Vous soufflez très très fort. Ça marche pas, votre magie, à vous Il faut dire le mot magique, vous vous souvenez À trois. C'est... <laughs> ah, voilà, comme ça, c'est ça. Allez, on y va, à trois. Un, deux, trois. Ah, ah, oh, mais, oh, mais comment vous avez fait ça Elle est où, ma corde Elle a disparu, ma corde. Mais vous êtes vraiment des magiciens, vous, Au hein, Vous faites des trucs spéciaux, là. <laughs> Moi, je vous aime bien. Vous êtes vraiment géniaux. Oh, ben on va voir si vous allez vous pouvoir, vous, vous pouvoir m'aider ici parce que vous voyez, j'ai deux cordes. J'ai une corde jaune et une corde jaune. Vous allez me dire que ce n'est pas compliqué. D'accord, mais quand même. Et là, il y a un nœud et là, il n'y a pas de nœud. Alors, on y va à trois. On va essayer de faire passer le nœud ici sur cette corde-là. On essaye. Allez, on y va et vous avez vu ça marche et ça marche de l'autre côté pourquoi vous n'êtes pas content ah vous trouvez que c'est facile ah parce que vous croyez que quand je fais le tour comme ça je, je change oh mais vous êtes des... ah alors on va faire un peu plus compliqué je vais prendre ici une corde d'une autre couleur, comme ça on va voir ce qui se passe. Hein. Et vous allez voir que ça va passer. Allez, on y va. Alors attention. 1, 2, 3. Ah, ça passe pas. Attends, on va voir comme il faut, comme il faut. Nanani, naner, naner. Oh, mais j'arrive plus. Attends, vous voulez m'aider un peu, les enfants Vous soufflez très fort pendant que je fais le tour et que je fais le nanani, naner. Oui, exactement. Allez, soufflez, les enfants. On y va. Oh, oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Hop là, hop là. Qu'est-ce qui se passe Oh, oh. Ah, voilà, comme ça. Voilà. Et puis maintenant, vous soufflez très fort. Vous soufflez à trois. D'accord Un. 2, 3 et hop Et qu'est-ce qui se passe oh oh, 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 oh Oh, mais dis donc, mais c'est génial Ouh Comment ça se passe ça <laughs> Il y a des trucs comme ça, c'est vraiment particulier. Allez, je vous salue bien. Oui, Alors, on va faire encore un dernier tour. Et je vais voir si vous vous avez compris ce tour-là. Aïe, 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 aïe Alors, j'ai ici. Des anneaux, des anneaux magiques, Et eh oui. Vous savez, ce sont ces fameux anneaux, quand on les touche comme ça, hop là, oh, regardez voir ça. Et puis ici, euh, on fait juste ça. Hop là, regardez voir ça. Et puis on s'approche là, ici, de l'autre. Et puis, on souffle un petit peu. Hop là. Et encore ici. Oh, hop là. Et, mais c'est génial. Regardez ça. Et voilà. Hi -hi ah, ah, ah. Souffler, voilà. Merci. Et puis ici. Oui, attendez, on souffle un petit peu là. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qui se passe C'est un embrouillamini là que c'est pas vrai ça Oh, 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 oh. oh, oh. Ah, voilà. Et voilà. Oh, tiens, Les deux, ils sont restés ici. On va les défaire aussi ces deux-là. Oh là, là 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 là. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ici. Merci de souffler. Voilà. Et voilà, c'est super! C'est génial! On y est arrivé! C'est un peu compliqué, hein? mais heureusement qu'il suffit simplement de souffler un tout petit peu. Vous voyez, vous prenez l'anneau comme ceci, et puis vous le frottez comme ça, ici, tout doucement, comme ça. Et voilà! Et on souffle de nouveau. Et voilà! Ça, je ne peux pas vous expliquer. <laughs> Au revoir, les amis! À tout bientôt! Oh là là, oh là là <laughs> Vous avez vu C'est pas mal, hein Bonjour tout le monde <laughs> Vous avez vu mes boules Alors ça, ce sont des boules spéciales. Ça, ça représente nous, les garçons, les filles, les plus grands et les plus âgés. Et puis ça, je suis un peu désolé que ça ne brille pas autant, mais ça représente la présence du Seigneur. J'aimerais bien que vous regardiez bien comme il faut, à l'intérieur. Vous voyez qu'il n'y a pas de trucs, d'accord On va regarder ici... La boule verte qui nous représente nous, les garçons et les filles, les petits et les grands. voilà. Et puis ici, ça, cette boule-là, elle est terrible. C'est toutes les bêtises qu'on peut penser, qu'on peut dire ou qu'on peut faire. Et de nouveau, il n'y a pas de truc à l'intérieur. Vous voyez, c'est une boule avec un trou pour pouvoir passer la corde qui est là. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Toutes ces bêtises qu'on pense, qu'on dit ou qu'on fait. Et puis ici, je vous ai apporté une double corde. Et c'est dans cette corde que je vais passer, euh, je vais passer les cordes à l'intérieur de cette boule noire qui nous rappelle toutes les bêtises et les méchancetés qu'on peut penser, qu'on peut dire et qu'on peut faire. Et pour ne pas que ça s'en aille, on va faire un grand nœud dessus, comme ceci. Voilà. Et voilà. Et puis je vais mettre ceci ici sur la table. D'un côté, on va mettre la boule dorée qui représente... Le Seigneur, hop, on met ça dedans. Et vous allez constater que la boule noire est au milieu entre la présence du Seigneur et puis nous. Nous, on est de ce côté. Aïe, 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 quelle situation catastrophique. Comment est-ce qu'on va faire pour réussir à éliminer toutes ces fautes Parce que là, vous voyez que nous sommes séparés de la présence du, du Seigneur. Et ça, il faut vraiment quelque chose de magique qui puisse faire disparaître ah cette énorme boule noire qui est là et qui nous empêche d'être avec Dieu. Et ça, c'est très important. Vous voyez ça C'est bizarre comme c'est fait. Alors je le pose ici. Et puis j'aimerais vous raconter l'histoire de celui qui a tout fait pour nous sauver. Et lui, je l'aime très fort. Et lui, il s'appelle Jésus. Alors comme on dit, chapeau bas. Je retire mon chapeau pour pouvoir mieux vous parler. Alors, quand Jésus, il a accepté de mourir sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé ah, Aïe, aïe, aïe Il a dit, oh Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je trouve ça génial. Jésus qui nous pardonne à tous d'avoir fait des bêtises. Et puis, et puis, à un moment donné, il n'en pouvait plus tellement, il souffrait. Et il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis, la Bible nous a dit qu'à un moment, il a poussé un grand cri, et il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Alors, on va voir ce qui s'est passé. Nous étions, nous, séparés de la présence du Seigneur. Et on va voir maintenant le miracle. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, elle est où? <laughs> oh là 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 là. Voilà mon péché qui est parti. Mais vous avez vu ce qu'il y a dessous? Oh, Regardez-moi ça. C'est pas formidable? Nous sommes tout près du Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de lui parler, de l'entendre nous parler Parce que le péché, il est où oh, oh, il est parti. Et surtout, n'y touchez pas. Hein, parce que l'autre jour, j'ai fait le tour, il y a un enfant qui me l'a tout de suite ramené. Et vous savez, quand on nous ramène le péché comme ça, c'est le diable qui fait ça. C'est bien ça ce que Dieu t'a pardonné. Hein c'est ça. Alors, il ne faut pas l'écouter. On ne touche pas. Et la Bible nous dit même... Que les péchés, il les a jetés au fond de la mer. Et quelqu'un a dit, il y a même un écriteau interdit d'aller les rechercher. Ah, mais c'est fantastique. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui me sépare de la présence de Dieu. Toutes mes fautes, elles sont pardonnées parce que Jésus, il est mort à cause de moi et à ma place. Il a été puni à ma place. C'est pour ça qu'il a versé son sang. Mais ça, c'est génial. Ça veut dire que je peux lui parler n'importe comment. N'importe quand, à tout moment, il m'écoute. Il n'y a plus rien qui ne sépare de lui. Moi, je trouve qu'il est formidable. Alors, vous avez le droit d'applaudir Auguste, mais surtout le Seigneur Jésus. Merci beaucoup.